Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un podcast couture pour l'édition novembre-décembre-janvier, novembre-décembre 2023, janvier 2024. Écoutez, j'ai réuni ces 3 mois puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez vu mon dernier vlog, que je déménageais de Vienne pour m'installer avec mon chéri sur Clermont. Et j'ai donc déménagé courant janvier. Et donc j'avais pas mal de petites choses à régler, des cartons à faire, etc., etc. Et puis avec les fêtes de Noël, ça a quand même pas mal réduit mon temps de couture. Et d'ailleurs, je n'ai quasiment pas cousu au mois de janvier. J'ai fini 2-3 petites choses, mais vraiment, j'ai quasiment rien cousu. D'ailleurs, j'ai déménagé, donc je suis dans un nouveau décor. J'ai un nouveau setup, dites-moi ce que vous en pensez, c'est assez sobre, même très sobre, puisque finalement il y a mon éclairage ici, j'ai une fenêtre, donc je pense qu'au niveau de la luminosité c'est assez correct. Je suis installée sur mon canapé, j'ai mes 2 petits coussins qui donnent un petit peu, qui rajoutent un peu de couleur, et c'est tout. À la fois je sais pas trop où m'installer pour qu'il y ait une lumière assez belle et un setup, un background qui est beau aussi, et je pense que le canapé est pas trop mal. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que là ça fait un peu comme si je parlais à des copines qui étaient face à moi, sauf qu'en fait face à moi j'ai une caméra. Bref, donnez-moi votre avis, je suis preneuse. Sans plus tarder, je commence tout de suite avec le premier vêtement. Il s'agit du body figuier de chez Mercerine. Hop, voici à quoi il ressemble. Alors ce n'est pas évident de vous le montrer et je ne pourrai pas vous le montrer porté, tout simplement parce qu'il ne me va pas, il est trop petit. Mais j'essaierai néanmoins de vous mettre une petite image du vêtement juste ici. Je vous mettrai bien évidemment le lien du patron en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir à quoi il ressemble. Le body figuier de chez Mercerine, il s'agit d'un body cache-cœur. Vous avez 2 versions, une avec un dos qui est ouvert, très ouvert en fait, et l'autre avec un dos qui est plus fermé et donc compatible pour porter un soutien-gorge. Au moins on ne voit pas les agrafes à l'arrière. Pour ma part, j'ai fait la version avec le dos qui est fermé, vous voyez, et puis donc le devant qui est cache-cœur. Pour tout vous dire, ce patron, je l'ai gagné l'an passé, pendant la période des fêtes. Alors l'an passé, du coup, c'était 2022-2023 au niveau de l'hiver. Hein. Et en fait, j'ai participé à un concours et j'avais le choix de... Oui, je crois que j'avais le choix de remporter le patron que je voulais chez Mercerine. Et donc j'ai choisi le body figuier. Je ne coupe pas énormément de body et je ne porte pas énormément de body. Je trouvais que l'idée du cache-cœur était très sympa, pouvait changer de ce que j'ai l'habitude de porter, puisque je n'ai également aucune blouse ou top ou t-shirt cache-cœur. Et donc ça pouvait carrément changer de ce que je porte habituellement. Et c'est le cas, et je trouve que c'est quand même très joli. Alors je vous disais, il est trop petit, ça c'est dû à la matière. En fait, j'ai choisi une rési qui est très légèrement stretch de chez The Lolly Shop. J'avais déjà réalisé une robe de chez Belen Paris, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Donc on est sur une rési qui est un peu multicolore et on est sur des couleurs très métallisées, donc c'est très joli. Franchement, l'effet est vraiment sympa et le fait que ce soit une rési, c'est quand même transparent. Alors on voit pas beaucoup puisqu'on est sur des couleurs foncées, mais on est quand même, y a quand même un petit jeu de transparence. Et sur la partie basse, vous pouvez le voir, j'ai choisi un lycra noir que j'avais acheté au marché de Vienne. Alors pour le coup, la partie lycra, la partie basse est super confortable, très agréable à porter et elle me va, elle n'est pas trop petite. Mais la partie haute, du fait que ce ne soit pas du tout une matière jersey, une matière contenant beaucoup d'élastane, ça fait que ça ne me va pas, c'est trop petit. En fait, je l'enfile, le body, mais vraiment je me sens compressée, j'ai l'impression d'avoir une gaine sur moi. Donc c'est vraiment
un modèle que je referais mais dans une autre matière. J'ai réalisé la taille 40, donc nickel, je vous dis, si ça avait été du jersey, ça m'irait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, il y a quand même quelques points négatifs. C'est pas un modèle très compliqué à réaliser, et heureusement, j'ai envie de vous dire, et c'est un modèle, je trouve, qui rend très bien aux portées. Malgré tout, le dessin technique est illisible, je trouve, et ça, c'est vraiment problématique. Soit vous trouvez des modèles sur Instagram, des vêtements, enfin des nanas qui ont déjà cousu le vêtement et grâce au bon hashtag, vous arrivez à voir ce que le vêtement donne aux portées. Soit vous avez un dessin technique qui est clair et lisible. Et là, ce n'est pas le cas, c'est un joli dessin, mais c'est un dessin. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment où s'arrêtent les lignes. C'est pas un dessin qui me paraît très juste par rapport au modèle. Donc vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai pris mon temps avant de le faire. C'est que je n'arrivais pas du tout à m'imaginer à quoi il pourrait ressembler. Et deuxième point négatif, et ça c'est au niveau de la gamme de montage. Alors, elle est très rudimentaire. À la fois, je vous dis, c'est pas un modèle très compliqué à réaliser, donc ça ne nécessite pas plus d'explications ou autre. Par contre, au niveau de l'encolure, en fait, vous avez un élastique qui longe toute l'encolure et donc qui permet de bien plaquer le body à votre corps. Mais vous n'avez aucune indication de dimension quant à cet élastique. Donc moi j'ai un peu fait au pifomètre et ça m'a vraiment dérangée. Je ne savais pas comment il fallait que je pose l'élastique. Enfin si, je savais comment poser l'élastique mais je n'avais pas la dimension. Donc si ça se trouve, j'ai trop serré ou bien pas assez. Et en fait d'une version à une autre, si vous n'avez aucune indication d'élastique, vous ne savez pas s'il faut que vous en mettiez plus ou pas. Et ça, vraiment, ça me dérange. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous l'avez déjà réalisé, ben, ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a aidé. Mais vraiment, moi, j'ai eu un problème à ce niveau-là. Je ne savais pas. J'étais vraiment dans le flou. Donc, j'ai essayé de tirer très légèrement mon élastique pour avoir une encolure qui reste serrée et bien maintenue au corps. Mais, vraiment, j'étais un peu dans le flou, j'avançais vraiment dans le flou, je savais pas. Bon, malgré tout, je vous disais, c'est très certainement un body que je referai parce que je le trouve très joli et que je trouve ça dommage de pas l'avoir réalisé dans un tissu plus jersey, quoi, plus stretch. Donc ouais, je le referai quand même. Deuxième vêtement que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une seconde version de la blouse Sadaka. J'aime beaucoup trop cette blouse. Et puis alors dans cette version, dans ce tissu en fait, j'en suis mais redingue. Vraiment, je pourrais la porter H24. Alors je m'empêche de la porter H24 parce que j'ai beaucoup d'autres vêtements. Mais vraiment, j'aime trop. C'est la blouse que j'ai portée pour le réveillon de Noël. Et vraiment, elle a fait sensation. Genre mes cousines, mes tantes et tout, elles étaient là. Oh mais elle est trop belle et tout. Et je suis d'accord avec elle, je la trouve trop belle. La blouse Sadaka, donc de chez Atelier 8 Avril, je crois que c'est la taille 40, comme d'habitude. Je vous remettrai ça quelque part, j'en suis plus tout à fait sûre. Version blouse et pas en version robe. Et j'ai exactement suivi toutes les indications du vêtement, je n'ai fait aucune modification. Ouais, j'ai cousu... Alors la première version, je crois que je l'avais cousue en couture anglaise. Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, j'ai fait un surjet et une couture droite très classique. Finalement, ça convient très bien. C'est vraiment une blouse que je referai encore et encore dans plein de tissus différents. Alors, je vais pas non plus en faire 150 000, mais très certainement que au printemps, été prochain, j'en referai une comme ça parce que j'aime et que je la trouve très simple et qu'elle fait vraiment, enfin très simple, je trouve que c'est une blouse qui fait vraiment son effet et qui n'est pas non plus super compliquée à coudre.
Le tissu provient du marché à Vienne, donc de chez Bertrand Tissu, comme d'habitude. Je ne pourrais plus y aller, malheureusement. Et seule petite chose que j'ai faite, c'est qu'en fait, le haut, la partie devant, est un petit peu plus courte que d'habitude, parce que je ne sais pas pourquoi, quand j'ai coupé, vu que c'est une blouse qui nécessite beaucoup de tissu, et ça c'est vraiment son gros point négatif, mais à la fois c'est ce qui lui donne vraiment ce côté très bohème, eh bien, je ne l'ai pas très bien positionné, mon devant, et ça faisait une coupe pas très belle sur le bas, donc j'ai raccourci de 1 ou 2 cm au niveau de l'ourlet. Donc on voit bien en fait quand je la mets comme ça que la partie devant est un petit peu plus courte que la partie dos. À la fois au porté, je la rentre toujours dans mon pantalon, donc ça ne choque pas du tout vu que j'ai plutôt des tailles hautes. Et bien au contraire, ça blouse très bien et c'est top. Je suis fan du tissu, vraiment j'aime trop le motif un peu graphique comme ça. Les couleurs, bon bah voilà, on est sur du vert et du noir. Que demander de plus, j'aime le vert et j'aime le noir. Donc non, vraiment, j'aime énormément cette blouse. Et je suis très contente d'avoir réalisé ce patron dans ce tissu. Je suis fan. Deuxième blouse que j'ai à vous présenter, il s'agit de la blouse Live de chez Evelyn Pattern. Alors j'ai été testeuse pour cette blouse-ci et c'était la première fois que je testais un patron de la marque Evelyn Pattern. Pour autant, c'est la blouse Oni, la robe Oni que je trouve très jolie, que j'aimerais bien me coudre un de ces jours, mais il faudrait peut-être que j'achète le patron ou alors je l'ai déjà acheté, je ne sais plus, il faut que je regarde. Donc voilà, j'ai été testeuse pour cette blouse qui est un modèle... Alors écoutez, je reste sur ma faim. Je ne sais pas si c'est le modèle, enfin le patron ou si c'est le tissu. Malgré tout, c'est pas quelque chose qui me correspond finalement. Je trouve que la blouse est jolie au niveau du patron, au niveau de la forme, au niveau de la coupe, puisqu'on est quand même sur une coupe... qui n'est pas non plus, enfin qui est plutôt droite avec des découpes et des volants qui viennent s'incruster dans les découpes. Pareil au niveau des manches, donc on a un côté un petit peu bohème je trouve au niveau du dessin technique de la blouse. Après les poignets donnent un côté très rétro, donc est-ce que c'est les deux qui me font dire que je suis pas fan? Peut-être. Et il y a également mon choix de tissu. Je pensais que ce serait un bon choix de tissu, mais finalement je trouve que le résultat ne me plaît pas. Pour autant je la porte, je l'ai porté une ou deux fois pour le moment, et je vais quand même continuer à la porter parce que le tissu est très agréable. Et c'est une blouse qui est quand même très agréable à porter. Je me sens très bien dedans, je suis complètement libre de tous mes mouvements et je l'ai quand même bien réalisé, je suis quand même fière de ma couture, mais je n'aime pas, je peux pas vous dire d'où est-ce que ça vient, mais je n'aime pas, voilà. Je me suis posé énormément de questions et je pense que déjà le choix de tissu avec la blouse ne me convient pas. Et après, peut-être que ça vient des poignets qui, pour moi, vont peut-être pas trop avec le style général de la blouse ou pas. Je sais pas, franchement, je ne sais pas. J'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à trouver ce qui ne me convient pas. On est sur la taille 40, je crois. Je suis plus tout à fait sûre. Je vous le remettrai évidemment quelque part. Mais je crois bien que nous sommes sur la taille 40. Alors bon... J'ai été un petit peu neuneux, j'ai fait la boucle, enfin la petite patte de boutonnage ici un peu basse, j'aurais dû la faire bien plus haute. À la fois c'est pas grave, c'est un peu caché par les cheveux donc c'est pas dérangeant. Le tissu provient de chez Mondial Tissu, on doit être sur
une viscose, je pense. Soit un mélange coton viscose, soit viscose tout court. Je pense pouvoir retrouver le tissu, donc je vous le mettrai en barre d'infos, bien évidemment. Au niveau de la version de Live, alors moi j'avais été sélectionnée pour réaliser celle qui a juste des découpes princesses et donc un volant dans les découpes princesses, découpe bretelle. Mais sinon vous avez également une découpe au niveau du milieu devant avec un volant également, c'est très joli. Et donc puisque j'étais testeuse, il y avait également le test de la robe Ivy en simultané, et donc c'est un petit peu le bonus qu'ont les testeuses, enfin en tout cas pour ce test de patron, c'est que nous avions eh bien le patron Liv et Ivy à notre disposition, enfin on les a toujours, donc très certainement que je ferai cette robe, la robe Ivy, peut-être pas avec toutes les découpes et les volants, mais je pense quand même la faire parce que je trouve que c'est un très joli modèle malgré tout. J'aime beaucoup hein, toutes ces petites découpes, je trouve que c'est très joli. Peut-être que je modifierai les manches pour pas avoir ces grands poignets, je sais pas. Pourtant je trouve que les poignets sont pareil, très bien réalisés, mais peut-être que pour moi ça va pas avec. Peut-être que ça fait trop de détails à la blouse. Je ne peux pas vous dire. Malgré tout, la taille est top. J'ai pas grand chose à dire sur le modèle. Si vous voulez tester un patron de cette marque-ci, n'hésitez pas, j'ai trouvé que c'était quand même fluide et clair au niveau des explications et que le patronage était plutôt bon. Quatrième vêtement que j'ai pu me coudre, il s'agit de cette robe-ci. C'est ma robe de Pax. Voilà, donc vous aurez certainement une photo, une petite vidéo de la robe portée. Malgré tout, vous n'aurez pas plus de détails que ce que je vais pouvoir vous dire maintenant. Je n'avais pas particulièrement envie de tourner de vidéo pour cette robe. J'avais plus envie de tout garder pour moi. Pour nous, donc voilà, cette robe a complètement été calquée sur cette photo-ci que j'ai trouvée sur Pinterest. Je trouvais le style de la robe vraiment très joli et j'aurais pu l'acheter sur les sites chinois comme Shein puisque j'en ai trouvé une, j'aurais pu ne pas du tout m'embêter, mais en fait je suis très contente de me l'avoir faite puisqu'elle me va comme un gant. Elle est complètement faite à mes dimensions, à mes mesures. Et j'ai pu complètement régler la hauteur, la largeur, la taille, etc., etc. Donc ça c'est nickel. Et puis c'est surtout que j'ai eu le mérite de me la coudre. Et le mérite et le prestige, on va dire, de me la coudre. Et donc je suis vraiment encore plus satisfaite. Alors la photo par contre, je ne suis pas sûre que ce soit une photo d'un site chinois. Je pense que c'est vraiment un créateur de robes, plutôt de cérémonie, qui enfin voilà, c'est vraiment une robe de cérémonie, une robe de créateur, et donc je me suis vraiment inspirée de cette robe-ci pour me coudre ma version à moi. Au niveau du patron, donc il n'y a eu aucun patron qui a été fait. Mis à part la partie bustier, en fait, je vais essayer de vous montrer. Si j'enlève cette partie-ci, vous avez un bustier ici. Alors qui n'est pas ultra serré parce que je voulais quand même pouvoir me mouvoir, pouvoir porter un soutien-gorge ou pas. Je n'en ai pas porté puisqu'on est quand même sur un dos assez ouvert. Et puis c'est surtout que je m'étais dit si un jour je veux la reporter pour d'autres circonstances, si elle est trop serrée, trop centrée, j'aurais du mal à la reporter. On ne sait jamais si j'ai des variations de poids ou autre. Donc voilà.
Le bustier provient de chez Mood Fabric. Vous savez, ils font pas mal de patrons gratuits. J'ai récupéré juste la partie bustier et j'ai joué sur les longueurs, donc j'ai rallongé ou raccourci en fonction de moi où je voulais que la taille tombe, etc. Et j'ai fait des petites pinces juste de chaque côté, vraiment des petites pinces poitrine là sur le côté pour plus ajuster tout en ne faisant pas en sorte que ça me cintre trop. Ce qui fait que là, si je la porte sans soutien-gorge, ça galbe un petit peu, ça suit vraiment la forme de la poitrine, mais ce n'est pas serré et ça reste très agréable. Et donc vous avez une partie qui revient sur le dessus, qui a des manches, avec un petit col avec des petits boutons à l'arrière. Alors, chose qu'il faudrait que je fasse, c'est que je resserre un petit peu les bretelles de la partie bustier puisqu'elles sont un petit peu trop larges et elles tombent un petit peu. Vous avez un zip juste ici à l'arrière, un zip invisible qui ne se voit pas du tout. Toute la partie dos ici est ouverte. Vous avez donc une ceinture. C'est au niveau de la ceinture que se rejoignent les deux corsages. Et donc, vous avez ensuite une doublure au niveau de la jupe quand même. La doublure, c'est exactement le même tissu que la partie bustier. La jupe qui est toute froncée, ça a été une galère. Vraiment, jusqu'à la fin, j'avais du mal à m'imaginer le résultat. Et vous avez deux petits volants sur le bas pour garder deux petits volants froncés pour garder le côté fronce de partout. Donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de détails et je me suis énormément cassé la tête pour faire cette robe, mais je suis vraiment fan du résultat. Je suis extrêmement contente de ce que j'ai fait et quand je vois les versions sur les sites asiatiques, enfin sur les sites chinois, je suis extrêmement fière de moi et je me dis que j'ai vraiment bien fait de ne pas la commander et de me la coudre puisque le résultat et vraiment à la hauteur de mes attentes. Il y a autant de fronces que ce que je voulais. Elles sont réparties vraiment de la bonne façon, vraiment sur toute la partie haute. Elles sont pas que centrées au niveau du col, enfin de l'encolure. Non, vraiment, j'aime beaucoup le résultat. C'est pareil ici. Enfin, non, franchement, je suis trop fan. J'essaierai vraiment de vous mettre des images de la robe portée parce que je pense qu'elle en vaut quand même un petit peu le coup. Je suis très contente. Je l'ai portée avec des mocassins Doc Martens et des petites chaussettes blanches. Alors ça ne me plaira pas à tout le monde, on est bien d'accord, mais alors moi j'étais fan du résultat. Je trouvais que c'était mais vraiment canon. Je ne me serais pas vue avec une paire d'escarpins ou quoi que ce soit. D'autant plus que si vous savez comment fonctionne un Pax, c'est vraiment impersonnel au possible et vraiment pas du tout romantique. À la fois on le savait, hein. Je dis pas ça pour me plaindre ou autre, on savait très bien et j'ai fait une robe juste pour le délire parce que j'avais envie de me faire une belle robe et j'avais envie quand même qu'on se souvienne de cette journée, mais voilà, ça n'avait pas vraiment grand intérêt de me coudre une robe pour un Pax, hein. Au niveau des tissus, alors il s'agit de deux tissus de chez Mondial Tissus. Je vous mettrai les références parce que je n'ai pas... Enfin, je me souviens plus. En tout cas, on n'est pas sur du blanc pour les deux. On est sur des couleurs un peu ivoire et cru qui se marient très bien. Alors, celle-ci que l'on retrouve sur la partie bustier et au niveau de la ceinture et en doublure de la jupe est légèrement brillante en fait, le tissage donne un effet satiné à cette matière-ci et ici on est sur un voile de polyester, hein, on est sur deux matières polyester, un voile qui est comment dire, qui n'est pas lisse, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, mais il a un effet un peu froissé et du coup je trouve que ça va très bien avec les fronces, ça donne plus de texture et plus de relief et notamment au niveau des manches qui n'ont pas énormément de fronces, ça balance très bien avec ça matche très bien avec
les autres parties qui sont très froncées. Concernant les finitions, et je baisse un petit peu mon bras parce que je commence à avoir mal au bras, ici sur le bas de la robe, j'ai fait un ourlet de 1 sur 1 ou 0,7 sur 0,7, je ne sais pas. Mais bon, voilà, je l'ai fait à la main. Enfin, non, pas à la main, à la machine, mais je n'ai pas mis d'épingle et je n'ai pas utilisé de pied particulier. Par contre, au niveau du volant, de comment je l'ai assemblé à la robe, je trouve ça super joli quand vous avez un petit point bourdon qui finit la partie haute d'un volant et en fait qui reste apparent. Donc j'ai fait cet effet-ci, voilà. Je trouve que ça c'est très joli comme effet. J'ai fait ça tout le long, ça a été assez long et je me suis mis pas mal de repères. En fait j'avais pris un stylo friction et je m'étais tracé un repère, une ligne sur laquelle il fallait que je coupe mon volant pour que ce soit bien régulier. Tout comme ici vous voyez, vous avez des piqûres, en fait ce sont des doubles piqûres pour bien maintenir toutes les fronces et que ça reste quand même joli et qu'elle reste le plus répartie possible. Et pour ça en fait je m'étais fait des marquages au feutre friction. Vraiment ça a été une robe qui m'a pris pas mal de temps et qui m'a causé pas mal de maux de tête. Et c'est également une robe qui m'a un petit peu, comment dire, réconciliée, voilà c'est comme ça que je voulais dire, réconciliée avec les points mains, puisqu'en fait toute la partie col et poignet sont faits avec des points mains. Alors j'aurais pu continuer et faire pareil pour la ceinture, finalement il y a un tout petit point à la machine qui se voit un petit peu quand même, si vraiment je pourrais prendre le temps de faire un point main. Mais je n'ai pas pris le temps. Voilà, j'ai fait un petit point main pour pas qu'on voit de couture, pour que ça reste le plus élégant possible, le plus discret. Et autant vous dire que vraiment j'ai bien aimé. Chose qui est quand même assez... Enfin, je fais très peu de points main parce que je trouve que c'est quand même très long. Et à chaque fois je m'en mêle les pinceaux avec les points, enfin je fais des petits nœuds partout, c'est moche. Et là j'ai vraiment pris mon temps et c'était plutôt agréable. Donc je referai peut-être des points mains à l'avenir. Avant-dernier vêtement que j'ai à vous présenter sur le cintre, ça ne va rien donner puisqu'il n'est pas complètement fini. Il s'agit encore d'un chemisier. En fait, je n'ai cousu que des hauts ou des robes. Il s'agit du chemisier Simone de chez Atelier Berny. Je porte ma première version en dessous de ce petit pull. Ma première version qui était une version test. Et donc j'avais envie de reproduire l'expérience, de refaire un chemisier Simone. Cette fois-ci je n'ai pas du tout mis de thermocollant nulle part puisqu'on est sur un tissu qui est très fin et je trouve, c'est l'effet que ça me fait sur celui-ci, ça, au niveau du col c'est très cartonneux comme effet et j'aime pas particulièrement et ça se met pas très bien et je regrette un petit peu, donc le fait de ne pas avoir mis de thermocollant sur cette version, je pense que ce sera pas trop mal. Je l'ai réalisé dans un tissu de chez qui provient du marché de Vienne, donc chez Bertrand Tissu. Une petite viscose, un petit voile de viscose avec des zèbres. Des zèbres, j'adore les zèbres. Noir avec donc les zèbres qui sont un peu beige. C'est très joli et le fait que ce soit noir avec des motifs, ça changera un petit peu des blouses plutôt claires que j'ai. Écoutez... Je n'ai rien à redire sur cette blouse. Alors elle n'est pas terminée, il me reste les boutons à poser et les boutonnières à faire. Et je crois qu'il me reste juste un petit point de... un surjet à faire au niveau des emmanchures. Voilà, c'est tout. Donc il ne me reste pas grand chose. Après avoir fini de tourner cette vidéo, très certainement que je m'attellerai à faire ça. Mais voilà, avec le déménagement, j'ai pas pris le temps de le faire et j'ai acheté les boutons mercredi, je crois, donc bon, voilà, hein, rien de plus à dire. Du coup, c'est une blouse que je n'ai pas encore portée, mais bon, je porte la première version assez régulièrement, donc
je vois pas ce que j'aurais à lui reprocher. Voilà, j'aime toujours les manches avec les plis, je trouve que c'est quand même très sympa. Je suis pas sûre que je referai une troisième version parce que c'est pas nécessaire non plus. Que deux blouses comme ça, deux blouses slash chemisier, c'est suffisant. Et que j'aimerais bien tester d'autres patrons. Mais voilà, j'aime beaucoup. On est sur exactement la même taille, on est sur exactement les mêmes caractéristiques au niveau du patron et de la couture. Je n'ai pas fait la version robe, j'ai fait la version blouse. Je crois que j'ai testé la taille, enfin, je crois que j'ai cousu la taille 40. Bon, vraiment, j'ai rien à redire et je n'ai fait que refaire ce que j'avais déjà fait. Dernier vêtement que j'ai à vous présenter, pour le coup c'est un upcycling. On n'est pas du tout sur une robe qui provient d'un patron. J'ai upcyclé une robe que j'ai achetée chez Emmaüs. On était sur une robe provenant de chez Kiabi. J'ai toujours l'étiquette. Je ne sais pas de quand elle date. Hein. Franchement, me demandez pas, je surveille pas les collections du prêt-à-porter. Mais je trouvais le tissu très sympa. Et je n'ai pas... Enfin, je n'avais pas de robe dans les teintes un peu bordeaux-rouge pour l'hiver. Donc... je me suis dit pourquoi pas. À la base on était sur une robe longue avec donc une petite ceinture puisqu'on a sur une on a une taille élastiquée et en fait vous avez une découpe ici en V pour que en fait la partie haute du V soit transparente avec une seule épaisseur et la partie basse soit en double épaisseur, donc avec la partie tissu et juste en dessous la partie doublure. Je me suis servie de cette découpe pour rajouter un petit volant, pour avoir un peu plus de détails sur la robe. Donc on a un petit volant qui est froncé avec, j'ai fait un petit tourlet dessous quoi. Et j'ai remonté l'élastique parce que je trouvais que c'était trop bas, ça tombait trop bas par rapport à ma taille et à ma corpulence et à ma morphologie, enfin bref, c'était trop bas pour moi. Et j'ai raccourci la robe, je voulais pas quelque chose de long. J'aime beaucoup les robes longues, je trouve que c'est très joli. Pour autant, je n'arrive pas à en porter. J'en ai qu'une dans ma garde-robe et ça suffit amplement. Si je la porte deux fois dans l'année, c'est le maximum. Vraiment, j'ai du mal à porter des robes longues. Je trouve ça très joli, mais je ne sais pas comment avec quoi les porter. Je trouve que ça me vieillit... ça me va pas, je sais pas, j'aime pas. Donc j'ai raccourci et avec le reste, puisqu'il me restait quand même pas mal de tissu, j'ai fait un petit volant sur le bas, un petit volant tout froncé pour rappeler un petit peu le détail du haut. Et je trouve que c'est très joli, c'est une robe que j'ai déjà portée une ou deux fois depuis que je l'ai cousue et j'aime beaucoup le résultat, je trouve que c'est très sympa, ça change un petit peu du coup du modèle initial. Je dois avoir une photo quelque part ou des images de la robe initiale, donc je vous les mettrai et comme ça vous pourrez comparer, faire un avant après. Mais n'empêche que c'était une bonne idée et pourquoi pas refaire des upcycling comme ça. J'ai fini de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pu coudre dernièrement, ça a été chaotique. Mais je ne vous explique même pas, j'ai reçu un coup de téléphone en plein milieu, je voulais filmer ce matin mais je ne savais pas où m'installer, j'avais plus de batterie, bref ça a été méga chaotique. Mais j'ai réussi, j'ai fini. J'ai terminé de vous filmer tout ça et je suis contente. Pour la suite, eh bien écoutez, avant mon déménagement, j'avais quelques encours, notamment un prototype de... enfin, une toile. Oui, une toile test, un prototype de pantalon. Donc je vais terminer ça.
J'ai une veste tailleur qui est en cours, qui a quelques semaines, et j'ai une autre veste tailleur qui est en cours, qui a au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc pour le coup, je vais essayer de la terminer ou alors de la virer, parce que j'ai envie de faire un méga tri là-dedans. J'ai plus envie d'avoir d'encours qui datent de autant de temps, c'est plus possible. Donc voilà, les prochains projets couture, ce seront majoritairement des encours. Dans tous les cas, vous pouvez tout suivre en vlog puisque j'essaye de tout documenter. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pu coudre dernièrement. On se retrouve sur Instagram ou en commentaire sous cette vidéo, bien évidemment. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!